Gilles Simeone, l'aérien ce sera 8h demain matin, les bateaux 20h. Les étudiants, la diaspora pourront toujours rentrer chez eux en Corse pour être confinés ? Bien sûr, c'est une des mesures de précaution que nous avons prises. Le principe, c'est celui de l'interdiction. Et ce principe connaît un certain nombre de restrictions ou de dérogations. Par exemple, dans l'aérien, la nécessité d'autoriser les voyages pour des raisons de santé ou pour des raisons familiales impérieuses. On pense par exemple aux gardes d'enfants. Et puis on a mis également un sas jusqu'au 20 mars pour que les étudiants, mais également les Corses de l'extérieur, puissent rentrer en Corse pour passer leur période de confinement ici s'ils le souhaitent. Est-ce que ce n'est pas un risque de contact accru et donc de propagation du virus comme pour les élections que vous avez dénoncées ? Nous ne sommes pas dans la même situation. Là, aujourd'hui, il y a un principe de confinement qui est enfin acté. Les personnes qui vont rentrer appliqueront par définition toutes les mesures qui sont préconisées, donc il n'y aura pas de contact. Pour les élections, c'était un tout autre problème qui m'a conduit effectivement à m'exprimer à la veille de celle-ci, parce que je considérais qu'il était de mon devoir de le faire, parce qu'on savait, le gouvernement savait, que de façon inéluctable, les élections allaient conduire à des regroupements, à des embrassades, à des contacts multiples, particulièrement en Corse, où il y a beaucoup de gens qui partent des villes pour aller dans les villages où il y a également beaucoup de personnes âgées. Au niveau du transport des marchandises, on se dirige vers un fret inerte. Qu'est-ce que ce fret inerte ? Quid de ce fret inerte ? Alors, fret inerte, ça veut dire tout simplement que le fret est embarqué, par exemple à Marseille, à Nice ou à Livourne, et que c'est le conteneur qui voyage et qu'il y a un autre chauffeur qui récupère la marchandise à l'arrivée. Le principe d'interdiction des voyages est également étendu aux maritimes en Corse et en Italie. Vous étiez en réunion cet après-midi en visioconférence avec le Premier ministre Édouard Philippe, comme les autres présidents de région, en particulier dans la dimension économique. Est-ce que l'économie corse est en danger de mort, Gilles Simeone ? Est-ce que de grandes entreprises, dans les transports par exemple, pourraient faire faillite ? La priorité absolue aujourd'hui, c'est la santé publique, la défense de la santé de tous les Corses, bien sûr. Mais il faut savoir qu'au-delà de cette urgence sanitaire absolue, il y a également d'ores et déjà aujourd'hui, et encore plus dans les semaines et dans les mois à venir, une urgence économique. L'économie corse est en grave danger. Ce sont aujourd'hui des centaines d'entreprises qui sont menacées, des centaines d'artisans, de petits commerçants, d'exploitants qui, tout simplement, n'auront pas, à la fin du mois, l'argent pour vivre et quelquefois pour survivre. Il est donc de notre devoir, nous, collectivités de Corse, l'ensemble des acteurs, l'État, bien sûr, eh bien, de définir dès à présent les mesures de court, moyen et long terme qui permettront à l'économie corse et à l'économie en général de surmonter la crise gravissime qui s'annonce là aussi. Venons-en à l'information principale de cette édition, le confinement. Est-ce que c'est une mesure qui va dans le bon sens, y compris ces contrôles, ces laissez-passer ? Le confinement, c'est une mesure que nous avions sollicitée, nous, élus de la Corse, depuis plusieurs jours, en demandant si oui ou non elle était utile. Et nous n'avions malheureusement pas la réponse. La réponse est venue aujourd'hui. Il faut bien sûr, et je le dis avec force et solennité, appliquer totalement la mesure de confinement. Il faut la respecter et il faut également respecter les gestes barrières. C'est un moyen essentiel de prévention. Ce stop transport ou ce quasi-stop plus le confinement, tout cela suffira-t-il pour éviter une catastrophe sanitaire en Corse ? Ce qui est certain, c'est que c'est la condition sine qua non pour que la situation dont nous savons qu'elle va être inéluctablement grave, voire gravissime, ne devienne pas véritablement catastrophique. Il faut donc se prémunir. Nous savons que la vague va arriver. Nous savons que la vague va être malheureusement terriblement puissante. Il faut en même temps multiplier les gestes de prévention et surtout, et j'y insiste, donner les moyens matériels au personnel soignant, à l'ensemble des soignants dont je salue bien évidemment l'engagement, le dévouement et le courage. Il faut leur donner les moyens de traiter les gens qui malheureusement vont être inéluctablement malades. Je pense par exemple à la question des masques, je pense par exemple à la question des respirateurs. Nous savons ce qui se passe dans des régions comme par exemple l'Alsace, la région Grand Est. Nous savons que ça va arriver ici, nous avons besoin de ces moyens. On parle, et j'y insiste, de sauver des centaines de vies. J'ai confiance. Bien sûr, je suis inquiet, comme tous les Corses, mais je suis certain que nous saurons trouver en nous la capacité et la force de surmonter cette épreuve.